Tom de Dorledo, je suis belge, je suis parapentiste professionnel et aventurier, navigateur au long cours, et j'ai la chance de vivre de ma passion depuis maintenant une vingtaine d'années. Yes. Comment tu en es venu au parapente? Et comment c'est devenu un métier? C'est le hasard ou tu avais vraiment cet objectif? C'est pas le hasard, mais disons que j'ai découvert le parapente assez jeune, j'avais 14 ans. J'étais en internat à Maredsous, en Wallonie, et puis j'ai un ami qui est arrivé avec son parapente à l'école et je sais pas, on a commencé à jouer avec le parapente sur les terrains de foot, tu vois, à le gonfler dans le vent et tout ça. Et après 10 minutes, je me suis dit, mais ce truc est génial. Dès que mes pieds ont quitté le sol pour la première fois, j'ai eu un petit saut de puce comme ça d'un mètre ou deux. Je me suis dit, mais c'est fantastique ce truc, j'ai eu une espèce de déclic. Et à partir de ce moment-là, en fait, le sport m'a plus lâché et j'ai plus lâché le sport. J'ai décidé de mettre toute mon énergie là-dedans. Et petit à petit, les choses se sont mises en place et j'ai eu la chance de faire de ma passion mon métier.